Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de petit paquet sur la thématique du reset. Vous allez voir, il y a un petit peu de travail, un petit peu de manipulation, mais rien de compliqué, rassurez-vous. Il faut juste appliquer les techniques de base que vous avez normalement apprises sur l'école de magie. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait toujours plaisir. Merci encore à tous les subscripteurs de Tuto Magie Premium. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne. Et également aller faire un tour sur l'école de magie tutomagie.com, le site référence en magie en France. Énormément de vidéos gratuites, de contenu, vraiment allez-y, vous allez voir, pour apprendre la magie des cartes, la magie des pièces, c'est le top. Bref, sur ce, je vous laisse avec la démo, allez c'est parti. C'est parti pour la démo de ce tour très sympa, vraiment, avec uniquement 8 cartes. Hein, je vous montre, en fait, on a des 7 et des rois. Les rois sont laissés sur le dessus, hein, vraiment sans tricher, hein, réellement. Hein. Donc ce qu'on va faire, regardez bien. On ne va pas utiliser les rois au début, hein. On va juste les prendre, les laisser de côté sur la table. Et en fait, nous, on va travailler uniquement avec les 7. Regardez bien, si on prend un premier 7, qu'on le place comme ceci, à peine rentré, il peut se transformer en un premier roi. C'est fou, hein. On va le laisser de côté, ça, c'est le premier. On continue avec les 3 autres 7, regardez bien. Si on en prend un second juste ici, juste en passant la main dessus, il peut se transformer en un deuxième roi. Ça va très vite, hein. Ah, je vous ai prévenu. On continue, regardez bien. Avec les deux sets qui nous restent, si on fait juste une petite passe, boum, il y a un premier roi qui peut apparaître. On refait le même geste et un deuxième roi. Les deux rois par-dessus les rois. Et là, vous me dites sûrement, si j'ai les rois ici, forcément les sets sont ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ce petit geste en claquant des doigts. Les sets peuvent revenir dans la main. C'est marrant, hein? Les 4 sets, donc on a vraiment maintenant les 4 sets en main. Et donc du coup, juste ici, oui, ici forcément, c'est les rois. Les 4 rois, hein, forcément. Et bien sûr, ce qui est bien, c'est que tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a absolument rien à voir. Pas de cartes truquées, absolument rien. C'est un petit reset plutôt sympa à réaliser.